Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Nous avons un modèle d'armée complète, force de dissuasion, et des armées opérationnelles. La France reste une puissance nucléaire, vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et on va tuer tout le monde, vous inquiétez pas. Упреждающий удар по Франции, как стороне конфликта. Надо один раз навернуть по Франции, на этом все закончится. Все подожмут хвост, я вас уверяю, никто не пожелает идти, причем не надо... Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. La France doit-elle sauver l'Ukraine? Cela ne vous aura pas échappé, depuis plusieurs semaines, nous assistons à une montée énorme des tensions entre la Russie et la France vis-à-vis de l'Ukraine. Comme si le président français Emmanuel Macron, qui a dit, je cite, « La Russie est devenue un adversaire, la Russie menace l'Europe », faisait de cette histoire une affaire personnelle entre lui et la Russie. Comme si le président Emmanuel Macron se plaçait en tant que chef géopolitique de la sécurité européenne et de l'intégrité européenne. Mais alors pourquoi, si l'Europe est tant menacée, le président français semble se retrouver plutôt seul dans cette affaire? La plupart des pays européens limitent aujourd'hui leur aide à l'Ukraine par une aide financière évidemment, mais aussi une aide militaire par du matériel, des munitions, des blindés, etc. à différents niveaux. Mais le président français, lui, semble être prêt à gravir un échelon supérieur, allant jusqu'à envoyer des troupes, si nécessaire, en Ukraine, encore une fois je cite, si la ligne rouge était franchie. Mais alors, quelle est cette ligne rouge? Et surtout, pourquoi le président français semble plutôt seul sur cette affaire? Pourquoi Emmanuel Macron serait cette sorte de shérif, d'arbitre de la sécurité internationale? Peut-être qu'une réaction aussi aiguë et hautement émotionnelle de la part du président français est également liée à ce qui se passe dans certains États africains. La toute première chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le président français Emmanuel Macron a quand même une sorte de relation étrange avec Vladimir Poutine. Lorsque Emmanuel Macron a été élu durant son premier mandat, sa toute première rencontre fut celle de Vladimir Poutine, sa toute première rencontre à Versailles, dans un château historique français, dans un cadre quand même qui était assez impressionnant, puisque c'était une rencontre internationale en grande pompe, où le château avait été aménagé, etc. Comme si Macron, dès son élection, avait fait de la relation avec la Russie, la relation franco-russe, une priorité absolue pour la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, et je vous apprends rien, avec la Crimée, les relations franco-russes et les relations russo-européennes se sont complètement dégradées. Et c'est comme si Emmanuel Macron, jeune président élu, avait voulu faire ce rapprochement dès le départ avec Vladimir Poutine, ce pari de rallier la France et la Russie et l'Europe ensemble, mais un pari qui, comme vous l'avez vu, n'aura pas forcément marché. Et la preuve, encore une fois, que Macron a fait une vraie priorité, l'affaire russe, l'affaire de Vladimir Poutine, c'est que quelques jours avant la guerre, la dernière personne que va rencontrer Poutine avant de déclarer les hostilités en Ukraine, d'un point de vue international, ce sera Emmanuel Macron. 7 février 2022, soit une vingtaine de jours avant l'invasion en Ukraine, Emmanuel Macron se rend à Moscou, Emmanuel Macron s'affiche plutôt souriant, s'affiche plutôt confiant vis-à-vis de sa discussion avec Vladimir Poutine, pour encore une fois éviter la guerre et conduire à une désescalade. Désescalade qui n'arrivera pas, bien évidemment, comme vous le savez. Mais alors pourquoi la Russie est-elle devenue un adversaire? Est-ce que c'est une sorte de rancœur de Macron, une sorte de chagrin, justement que sa relation n'a pas marché avec Vladimir Poutine? En réalité, c'est plus profond que ça. Déjà, il faut se poser la question, qui aujourd'hui est une sorte de leader européen et qui aujourd'hui est à la tête de l'Europe, si on prend un point de vue géopolitique? Historiquement, l'une des personnes qui était le plus respectée et le plus écoutée en Europe, il faut bien le dire, quoi qu'on en pense, c'était Angela Merkel. Angela Merkel qui était à la tête de l'Allemagne à l'époque, la République fédérale allemande, là où les Anglais eux-mêmes étaient plutôt en retrait géopolitiquement à l'époque où ils étaient encore dans l'Union Européenne. Depuis qu'Angela Merkel est partie, il n'y a plus vraiment de dirigeants en Europe parce que les Anglais eux non plus ne sont plus là, ce qui fait que l'Europe s'est retrouvée un peu seule avec une seule puissance majeure qui était encore capable de gouverner, de donner son point de vue, c'était celle de la France. Sauf que malheureusement, il faut bien le dire, à l'époque de François Hollande, géopolitiquement parlant, et même l'image de la France d'un point de vue géopolitique à l'époque d'Hollande était pas très bonne. Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense, a quand même réussi à redorer le blason de la France d'un point de vue international. C'est quelque chose qui est quand même très reproché à Macron, c'est d'être plus proche de l'international, plus proche de l'Europe que plus proche du peuple français, mais ça c'est un autre débat.
En tout cas, il faut bien reconnaître que, en l'absence de Merkel, c'est un peu Macron qui est devenu le leader, entre très grosses guillemets, européen sur le plan géopolitique, malgré qu'il soit plus jeune que certains dirigeants. D'ailleurs, si vous le regardez bien encore aujourd'hui, sur les questions européennes, Olaf Scholz, le président allemand, le chancelier allemand, est complètement effacé par rapport à Emmanuel Macron, qui va plus se prononcer, notamment encore une fois par rapport à l'Ukraine. Macron parle de la Russie comme une menace pour l'Europe, pourtant, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Donc est-ce que Union européenne et Europe, ce ne serait pas un peu des choses différentes? Pour Macron, non. Le continent européen, ça reste le continent européen, Union européenne ou non, sachant que l'Ukraine a vocation à rejoindre l'Europe. Cela aide évidemment. Pour Macron, il convient de défendre l'intégralité du territoire du continent européen. Et encore une fois, il se retrouve complètement seul sur cette question, parce que si on regarde des personnes comme les Anglais, le Royaume-Uni, qui est quand même une puissance militaire majeure, une puissance nucléaire, l'une des plus grandes puissances navales actuelles du monde, eh bien, est complètement en retrait encore sur la question ukrainienne. Ils sont très discrets sur l'envoi d'armes, ils sont très discrets sur leur placement géopolitique vis-à-vis de l'Ukraine, et c'est surtout qu'ils semblent complètement éviter le sujet. Mais alors pourquoi la France serait la seule puissance européenne majeure à se mettre sur ce sujet de l'Ukraine? Pourquoi le nouveau président, le nouveau chancelier Olaf Scholz, lui, n'agit pas alors qu'il est quand même à la tête de l'Allemagne, qui reste une puissance économique et politique majeure en Europe? Eh bien en réalité c'est très simple, il suffit juste de regarder les questions économiques. Si on s'intéresse à l'économie des pays européens depuis le début de la guerre en Ukraine, il faut bien reconnaître que c'est la dégringolade et que c'est surtout une inflation énorme pour tous les pays d'Europe. Les pays qui subissent aujourd'hui le plus d'inflation en Europe sont les pays qui sont le moins présents ou qui donnent le moins de mots possibles vis-à-vis de l'Ukraine. Je pense encore une fois notamment à l'Allemagne et notamment au Royaume-Uni, bien qu'ils ne soient pas dans l'Europe. Pour comprendre pourquoi des puissances militaires, économiques et politiques majeures telles que le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne sont complètement en marge de la géopolitique vis-à-vis de l'Ukraine, il convient bien sûr de s'intéresser aux conditions économiques de leur pays. On va prendre comme exemple, et je vous le mettrai le lien en description, Elowatt. Elowatt qui est une société française de comparateurs d'énergie, de gaz, etc. Elowatt qui nous fournit des données concernant l'augmentation et l'inflation surtout des prix des énergies en Europe avant et après la guerre en Ukraine. En août 2021, avant la guerre en Ukraine, le prix moyen d'un kilowatt français pour l'électricité c'était à peu près 19,50€. Ok. Quand la guerre en Ukraine est arrivée, on est passé en août 2022, donc quelques mois après la guerre en Ukraine, à 21,30€ le kilowatt d'électricité. C'est une inflation, mais une inflation qui est encore modérée. Maintenant prenons comme exemple le Royaume-Uni. Le kilowatt en 2021, 30€. Après la guerre en Ukraine, août 2022, 46€. Et là, on voit déjà comment l'inflation est beaucoup plus élevée. Autre exemple ici sur le gaz. Les prix moyens d'un kilowatt de gaz en août 2021 en Allemagne, c'est 6,60€. Alors qu'en août 2022, quelques mois après la guerre en Ukraine, on est sur du 31,60€. Et rien qu'en analysant ça, rien qu'en analysant ces données économiques, on comprend énormément pourquoi certains pays sont complètement en marge de l'aide en Ukraine et surtout du placement vis-à-vis de l'Ukraine. C'est tout simplement parce que la situation géopolitique de leur pays va mal. Évidemment, le Royaume-Uni, on pourrait encore parler du Brexit, etc., les ressentis, etc., que la population est complètement divisée. Mais c'est surtout l'augmentation des prix qui freine les puissances à s'impliquer encore plus dans la guerre en Ukraine, parce que tout simplement, les sanctions qu'ils se prennent eux-mêmes en ayant puni la Russie, en ayant coupé la Russie, en ayant cessé d'acheter à la Russie, sont quand même relativement élevées. Ça n'a rien à voir avec le fait que est-ce que c'était une bonne idée ou non, c'est juste qu'il y a évidemment des retombées, un pour la Russie, mais deux aussi pour l'Europe. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. La France semble éviter une surinflation, une hyperinflation du pays par rapport aux autres pays européens, mais cela ne justifie pas encore une fois pourquoi Macron est si impliqué dans la guerre en Ukraine. Une chose qui est énormément reprochée à Macron encore aujourd'hui vis-à-vis de l'affaire Israélo-Hamas, c'est cette sorte d'entre-deux. D'un côté, faire beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses d'un côté, mais de l'autre côté, quand il s'agit de parler, de communiquer avec l'autre camp, de faire aussi des promesses et aussi des compromis. C'est notamment ce qui était beaucoup reproché avec Israélo-Hamas, que d'un côté Macron soutient éperdument l'Israël dans sa volonté de se défendre, etc. Mais que très rapidement Macron change de camp en disant « oui mais en même temps, vis-à-vis du Hamas, il faut que la réponse soit proportionnelle, etc. » C'est un autre débat, mais c'est aussi ce qui sera reproché entre Vladimir Poutine et Macron, c'est que d'une sorte Macron semblait très proche de Poutine, très dans le compromis avec Poutine, je parle bien évidemment avant la guerre en Ukraine, mais que de l'autre côté, ce compromis, Macron ne le tenait pas forcément vis-à-vis de Zelensky, puisque tout simplement, Macron se trouvait dans cet entre-deux qui empêchait une sorte de géopolitique variable, si vous voulez, qui fait que tout simplement, on ne peut pas trouver un accord en promettant des compromis des deux côtés, sachant que ces compromis sont contradictoires. Macron parle ensuite de la Russie comme une menace pour l'Europe, car une sorte de Russie qui aurait une volonté à recréer l'URSS, car elle s'étendrait depuis des années.
Si on fait la liste des guerres qui ont été effectuées par la Russie, on a notamment en 1994 la première guerre de Tchétchénie, 1999 la seconde guerre de Tchétchénie, qui se finira en 2009, donc deux grosses guerres en Tchétchénie qui ont quand même bien divisé le territoire et qui ont quand même bien redessiné les cartes. Ensuite, 2008, on a l'assaut de la Géorgie, avec l'Ossétie du Sud qui va être repris par les Russes. Encore une fois avec le procédé de séparatistes pro-russes qui prennent le contrôle de la région avant l'arrivée de l'armée russe. Et ensuite, on a évidemment l'Ukraine 2014 avec le même procédé. Crimée qui va être sécurisée par des pro-russes, l'armée russe qui va se ramener derrière, qui va sécuriser le territoire. Et Vladimir Poutine qui va encore une fois annoncer que c'était le choix du peuple, exactement comme pour la Géorgie. Mais alors pourquoi ces guerres ne semblent inquiéter que Macron aujourd'hui? Pourquoi seulement Macron semble parler de ces guerres, semble parler de cette histoire comme la vraie menace européenne? Si on regarde bien, aujourd'hui, les alliés qui soutiennent le plus Macron dans une potentielle escalade de l'Ukraine, c'est évidemment tous les pays frontaliers de la Russie. Je pense notamment aux pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, etc. Ou encore la Finlande, ou encore évidemment la Pologne. La Pologne qui est à la frontière biélorusse, et la Pologne qui est une sorte de gros revanchisme et une sorte de rejet de la part du gouvernement envers la Russie, qui depuis quand même la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui même depuis la Seconde Guerre mondiale, a complètement empiété sur les frontières polonaises. Donc c'est assez contradictoire de voir la France aussi impliquée, sachant qu'elle n'est pas limitrophe au territoire russe, sachant que les plus grands supports de la France dans cette sorte d'escalade, qui encore une fois selon Macron n'est pas décrit comme une escalade, mais bien comme une prévention justement pour éviter l'escalade, eh bien se limite aux pays limitrophes de la Russie. Avec pour seule exception peut-être la République tchèque, qui elle aussi semble prête à intensifier les aides si besoin. La question c'est finalement pourquoi Macron met en garde Vladimir Poutine, depuis les dernières semaines et pas depuis le début du conflit. Comme si depuis les dernières semaines, quelque chose d'urgent s'était passé en Ukraine. Mais alors quoi? Si on regarde les derniers rapports d'Ukraine, la plus grosse ville qui est tombée, la plus grosse chute symbolique qu'il y a eu, c'est la bataille d'Adivka qui a été perdue par l'armée ukrainienne. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Ce n'est pas la ville la plus importante d'Ukraine, ça reste une ville relativement petite par rapport à certaines villes comme Mariupol, comme Kherson, comme Kharkiv. Mais on remarque quand même que depuis cette chute-là, depuis la chute de cette ville, eh bien tout simplement, la guerre en Ukraine, du côté de Macron, semble de plus en plus préoccupante et de plus en plus inquiétante. Le second point qu'il faut prendre en compte, c'est que les aides de Biden, notamment auprès du Sénat américain, avaient été refusées et bloquées par les républicains de Donald Trump. Donc c'est comme si finalement la chute d'Adivka, plus les enveloppes qui ne passent plus des États-Unis, inquiétaient Macron parce que l'Europe se retrouve de plus en plus seule sur la question russe. Rappelons-le, prochainement il y aura les élections américaines, Donald Trump contre Joe Biden très probablement, Biden qui est pour augmenter les aides en Ukraine, pour soutenir encore plus l'Ukraine, et Donald Trump qui promet de résoudre le conflit en 24 heures, 48 heures maximum, et surtout de couper les aides à l'Ukraine parce que America first, business first, les Américains d'abord. Et c'est comme si en fait cette course contre la montre semblait de plus en plus inquiéter Macron. Le fait que les Américains se retirent du dossier, le fait que finalement peut-être que les munitions en Ukraine deviennent de plus en plus urgentes, bien que c'est déjà le cas depuis 2 ans, et surtout le fait que les pays européens, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, créent cet effet de lassitude vis-à-vis du conflit. Le conflit dure depuis longtemps, ça n'avance pas, autant laisser tomber. Comme si Macron essayait d'être un peu le coach sportif, entre très grosses guillemets, permettez-le-moi, celui qui va remotiver l'équipe, celui qui va dire, voilà, attention, il se passe ci, attention, il se passe ça, il faut continuer, il faut pas lâcher, il faut même intensifier. Et ça, c'est un mot qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, du moins de la part d'Européens, d'intensifier une aide. La plus grosse intensification militaire qu'il y a eu jusque-là en Ukraine, c'était l'envoi de blindés. Certains pays comme la Pologne, certains pays comme la Roumanie étaient potentiellement d'accord pour envoyer des avions de chasse, des chasseurs qui étaient extrêmement demandés par Zelensky, tandis que certains pays comme la France ou les États-Unis semblaient freiner le dossier à l'époque sur l'envoi de chasseurs, parce que envoyer des chasseurs, c'est quand même symboliquement très fort, c'est envoyer des dernières technologies sur un conflit. Et là finalement, et c'est ce qui a stressé tout le monde, c'est qu'on entend le président français Emmanuel Macron dire: il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Et symboliquement, c'est très fort, c'est pas inédit. On a souvent entendu dire que envoyer des hommes, c'est un cap inédit, c'est une déclaration de guerre, c'est vraiment la déclaration de guerre officielle de la France vis-à-vis de la Russie. Permettez-moi l'expression, mais rien de nouveau sous le soleil. Si on regarde historiquement, durant la guerre de Corée, durant la guerre du Vietnam,
Envoyer des hommes, c'était très courant, et honnêtement, envoyer des hommes, c'est ce qui se fait depuis le début en Ukraine. Je pense notamment à la Légion internationale, où vous avez des Français, vous avez des Britanniques, vous avez des Polonais, vous avez beaucoup de Tchèques qui combattent en Ukraine au nom de leur pays, sans pour autant être soutenus par le gouvernement. En fait, là où le cap, il est très marquant, il est très frappant, c'est que là, le président, le dirigeant français Emmanuel Macron, affirme lui sa volonté, du moins sa capacité à suivre en cas d'intensification du conflit. Si vous voulez, en fait, c'est un peu caché. Durant la guerre de Corée, pendant la guerre froide, les Russes niaient envoyer des volontaires. Durant la guerre du Vietnam, les Russes niaient envoyer des armes, etc. Et là, pour l'une des premières fois historiquement, on a un président qui nous dit « Nous, on va pas le nier parce qu'on peut le faire et on va le faire si besoin. » Et d'un côté, c'est très respectable géopolitiquement de ne pas s'en cacher, mais de l'autre, c'est surtout très dangereux. Et ça, c'est ce qui a été énormément critiqué, c'est que pour certains, Macron est fou d'affirmer qu'il est capable de faire ça, parce que c'est une sorte finalement de défi vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est une implication directe, mais contrairement aux fois précédentes, assumée. Et honnêtement, même les Américains aujourd'hui sont plus subtils sur ça. Les Américains qui prétendent ne pas envoyer d'hommes en Ukraine, etc. Mais on sait très bien que les services de renseignement, et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'informateurs américains qui sont sur place en Ukraine aujourd'hui. Mais alors du coup, la grande question, quels sont ces hommes qu'on va envoyer en Ukraine? Est-ce que c'est vraiment les infanteries de base? Est-ce que c'est plus des sortes d'instructeurs, etc.? Les instructeurs, ça passe déjà aujourd'hui, sauf que c'est les soldats ukrainiens qui partent dans d'autres pays pour se former. Mais justement, c'est là le gros vide, c'est que Macron n'a pas précisé. On a eu durant le dernier entretien les journalistes qui ont voulu piéger là-dessus, quels hommes on va envoyer en Ukraine? Il n'y avait pas de réponse. Alors pour des questions de sécurité nationale, évidemment, etc., on peut comprendre. Mais je pense que c'est surtout que Macron ne sait lui-même pas jusqu'où et où il veut faire monter l'escalade. Parce que envoyer des hommes, ça peut être envoyer des démineurs, comme c'était beaucoup évoqué, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les lignes de défense russes sont infectées de mines, c'est ce qui est énormément perturbant pour les Ukrainiens. Mais ça peut être aussi, bah, justement, envoyer des chasseurs alpins, des parachutistes, etc. En fait, on peut tout imaginer. Et Macron est resté très flou là-dessus, parce qu'encore une fois, bon, pour des raisons tactiques, on peut le comprendre, mais surtout pour des raisons géopolitiques, il ne sait pas jusqu'où il veut intensifier. Et c'est ce qui est d'autant plus dangereux, c'est de faire des annonces, peut-être sans savoir, ou alors, peut-être que là, c'est moi qui me trompe en disant qu'il sait très bien ce qu'il veut faire, et que c'est tout simplement de la tactique de ne pas le dire. Mais je pense inconsciemment que la France, du moins l'état-major français, n'est pas du tout à l'étape de savoir où elle va placer ses hommes en Ukraine. Ce serait totalement démesuré, ce serait totalement fou. Quoique cette guerre en Ukraine nous a quand même appris que tout arrive. Donc c'est un débat qui est très ouvert à ce niveau-là, mais ça me paraît quand même très peu probable, du moins il est impossible pour moi de vous trouver une source qui dit « Voilà ce qui va se passer si la guerre en Ukraine augmente », tout simplement parce que là c'est de la géopolitique actuelle et on ne peut pas savoir. Point important quand même, je vous ai dit qu'on ne comparait pas l'armée russe à l'armée française, mais si on fait un rapport de force entre les deux armées, on voit que la puissance de l'armée française, même développée au maximum, resterait beaucoup trop limitée pour un impact majeur sur le changement du conflit. Je vous ai pris les chars français, on compte aujourd'hui actuellement, et c'est une donnée qui est apparemment beaucoup trop surévaluée, 160 blindés disponibles dans l'armée française, prêts à se déployer immédiatement, et environ 420 avions de combat, toutes catégories confondues, prêts à se déployer actuellement. Si on compare à l'armée américaine, bon je sais que c'est nul de le faire mais c'est pour donner une idée, les Américains on serait sur 13 500 chasseurs et on serait sur 6 600 chars, là où la France n'en compte que 160. Et pourquoi je vous dis ça, c'est pas encore une fois pour rabaisser l'armée française, non pas du tout, c'est tout simplement pour vous montrer que cette escalade est vide de sens si la France n'est pas soutenue. La France, et de manière générale l'Europe, c'est un pays qui a besoin d'alliés. L'Europe peut se suffire à elle-même si elle a une réponse unanime. J'entends par là que si les Polonais, les Français, les Allemands, les Belges, etc., etc. sont unanimes dans leur réponse militaire, oui, là ça peut avoir un réel impact sur le conflit, puisqu'une Europe unie est une Europe puissante. Mais, vous l'avez bien vu dernièrement, ça ne vous échappe pas, l'Europe actuelle n'est pas unie. Elle est unie sur le plan économique, on parle de l'Union économique et monétaire européenne depuis des années, mais sur le plan militaire, il y a quand même un gros vide juridique européen, il y a quand même une grosse absence politique européenne. Car souvenez-vous, là on peut revenir un peu dans le temps, à l'époque de Charles de Gaulle, où on parlait encore, même après Charles de Gaulle, des fameux États-Unis d'Europe, avec une armée européenne exclusive, avec peut-être, pourquoi pas, la fusion des territoires. Aujourd'hui, vous l'avez bien remarqué, on en est très loin. L'Europe se limite à une union monétaire et politique, mais certainement pas militaire. Il est prévu, dans la loi européenne, dans le code européen, qu'il y ait un pays européen qui serait agressé et défendu. Et là, c'est le placement des Allemands, c'est le placement de beaucoup de pays d'Europe. Si l'Europe est agressée, l'Europe répondra.
Mais encore une fois, quand on dit de l'Europe, bah c'est l'Union Européenne, et l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne, et c'est pour ça qu'il y a un manque de réponse ou un manque de placement vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis du reste de l'Union Européenne. Ça pourrait être vu comme une forme de lâcheté, mais finalement c'est juste que c'est flou. Est-ce qu'on doit aider un pays qui est hors de l'Europe, hors de l'Union Européenne, j'entends bien? Pour Macron, oui, il faut garantir la paix européenne partout sur le continent européen, tandis que nos alliés européens de l'Union Européenne se limitent à défendre l'Union Européenne. On a vu quelques jours après le discours avec des journalistes de Macron, les Polonais, les Allemands et les Français unis faire une conférence de presse à Berlin tous les trois ensemble. Encore une fois, on voit ici les principales puissances européennes aujourd'hui. On pourrait inclure l'Italie qui a quand même une armée qui est non négligeable, on va dire. Mais encore une fois, voilà, l'Union Européenne n'est pas unie sur la question. Olaf Scholz a calmé, a rassuré en disant qu'il était d'accord avec Emmanuel Macron pour ne pas être déclencheur d'une escalade, mais en aucun cas se disait prêt à répondre militairement en cas d'escalade de la part de la Russie. Notez encore une fois que la France est une puissance nucléaire, donc on pourrait penser qu'elle est autosuffisante, mais vous l'aurez bien compris, tout ne se limite pas à la puissance nucléaire aujourd'hui, puisque la Russie est une puissance nucléaire, ce n'est pas pour autant qu'elle utilise sa bombe nucléaire en Ukraine, encore bien heureusement. Mais moi je pense que pour conclure, et c'est ce qui fait extrêmement peur à Macron, c'est ce changement politique que va subir les États-Unis, et c'est surtout ce chronomètre qui est dans la tête avec les États-Unis instables, suite aux élections qui vont arriver, Vladimir Poutine qui a été réélu aussi, il faut bien le dire, les menaces, entre guillemets, les avertissements de Macron arrivent quelques semaines avant l'élection de Vladimir Poutine, on a eu les réponses, sans surprise, il a été réélu. Est-ce que finalement tout ça c'était pas une sorte de mise en garde vis-à-vis du peuple russe, vis-à-vis de la politique russe? Dans tous les cas, je ne suis pas sûr que ça a marché. Quoique, aujourd'hui, on entend parler d'une potentielle trêve olympique proposée par la France vis-à-vis de la Russie en Ukraine. Ça semble être discuté. Pour la première fois, Emmanuel Macron semble renouer un contact avec la politique russe, bien que ce ne soit pas avec Vladimir Poutine directement. Encore une fois, je maintiens cette relation privilégiée que Macron a eue avec Poutine, car c'est quand même le président qui a le plus parlé à Poutine avant et pendant la guerre, même si aujourd'hui, ça n'a pas eu les conséquences espérées. Si je devais conclure vraiment cette petite vidéo, je dirais qu'on a l'impression d'assister à la France, à Emmanuel Macron du moins, comme une sorte d'arbitre mondial, comme une sorte de personne qui souhaite modérer la paix dans le monde. On le voit encore une fois, on peut reprendre l'exemple d'Israël-Palestine, Macron qui semble dire « Voilà, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça ». Et encore une fois, pourquoi il ferait ça? Peut-être pour regagner la place que la France n'a plus à l'international. Je pense notamment à l'Afrique, notamment au Sahel. Aujourd'hui, on a un rejet qui est total de la France en Afrique, de la politique française en Afrique. La France est vue comme un pays qui n'arrive pas à garder la paix dans le monde, un pays qui a perdu sa place à l'international. Et je pense qu'encore une fois, Macron essaye de redorer un peu le blason de la France et de se placer en tant que leader européen. C'est pas une honte de le dire. Alors moi, personnellement, ça ne veut pas dire que je soutiens Macron, loin de là. Mais je pense qu'il faut quand même dire les choses. Macron essaye, en tout cas, a le courage d'essayer de lever ce leadership européen, même si, du coup, il n'est pas suivi. Et même si cela pose des problèmes. Et on voit bien encore une fois que cet entre-deux ne paye pas, puisque Israélo-Hamas, aujourd'hui, les relations avec Macron, d'un côté l'Israël a du mal avec Macron, de l'autre le Hamas négocie beaucoup plus avec les États-Unis, avec le Qatar qu'avec la France. Donc c'est très compliqué, c'est très délicat, mais est-ce que cette place d'arbitre mondial qu'essaye de jouer Emmanuel Macron n'est pas à double tranchant, puisque au final, trouver des compromis avec tout le monde, c'est trouver des compromis avec personne, et que finalement la situation n'évolue pas beaucoup, et ceux qui sont plus en tête de la négociation de paix aujourd'hui avec l'Ukraine, ce seraient les Américains, les Chinois, voire les Turcs qui sont beaucoup plus proches de la Russie que ne l'est la France. En tout cas, je pense que cette escalade, elle est à nuancer, c'est une escalade que Macron propose au nom de l'Europe et pas au nom de la France. Il n'est pas très suivi, donc je pense que ça le freine complètement. Je pense que cette idée d'envoyer des hommes, lui-même s'est perdu un peu en voulant l'expliquer. On peut quand même être rassurant en disant qu'envoyer des hommes c'est pas nouveau, mais si la France le faisait de manière directe, c'est sûr que là ça aurait des conséquences, et on le voit bien que Vladimir Poutine a énormément de mal avec la France. De manière plus générale, les médias russes ont énormément de mal avec la France. Il y a beaucoup de journaux russes qui se moquent de la France, du gouvernement français, etc. etc. Mais dans tous les cas, on a Macron qui ne lâche pas cette géopolitique et cette place française à l'international, qui est encore une fois à double tranchant, donc faudrait vraiment voir comment la situation évolue. Mais je pense que c'est une sorte de pari que fait Macron, pari qui sera tenu ou non, à vous de me le dire en commentaire. En tout cas, ça reste très très inquiétant, mais surtout très flou et très bizarre qu'un président parle de lignes rouges sans détailler, parle d'envoyer des troupes sans détailler. On a l'impression plus d'une confusion politique ou d'un coup de poker politique qui n'a pas été suivi et qui n'a pas abouti. À voir comment les choses évoluent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si les choses évoluent, il faudrait que la réponse soit européenne unanime, et ça, pour le président Emmanuel Macron, ce n'est pas gagné.
Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, est-ce que la France peut sauver la France ? En tout cas, est-ce que la France peut sauver l'Ukraine ? À elle seule, vous l'aurez bien compris, bien évidemment que non. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Au revoir.